Anne Roumanoff est l'invitée dont refait la télé sur RTL ce samedi 27 janvier. L'humoriste cesse de confier sur ce qui l'inquiète particulièrement sur les réseaux sociaux. Anne Roumanoff est de retour sur scène avec un spectacle baptisé L'expérience de la vie. Dans ce nouveau seul en scène avec lequel elle tourne partout en France, l'humoriste a choisi d'aborder de nouveaux sujets. Elle avait d'ailleurs confié dans les colonnes de VSD faire valider certains de ses sketchs par sa fille. J'essaie de rassembler dans le rire tout en disant des choses qui divisent. Si est de la haute voltige. À tel point que j'ai fait valider par ma fille de 21 ans qui est très woke, avait-elle reconnu. Elle avait aussi expliqué avoir choisi d'amender son spectacle pour ménager la pudeur de ses spectateurs. Pendant mon sketch sur les couples, au début, j'invitais quelqu'un à monter sur scène. Mais je suis vite rendu compte que lorsqu'on pose des questions intimes, les gens ne répondent pas. Du coup, j'ai arrêté, avait-elle reconnu. Anne Roumanoff a expliqué être en hyper-vigilance à cause des réseaux sociaux. Anne Roumanoff est l'invitée dont refait la télé sur RTL, ce samedi 27 janvier. L'humoriste est revenu sur ce qui l'inquiète particulièrement au sujet de son image. Éric Dussard lui a demandé si elle surveillait son langage ou ses sorties sur les plateaux de télévision pour ménager les réseaux sociaux toujours très prompts à s'enflammer. Ce n'est pas des vannes qu'on doit surveiller, si est-il plus des comportements. On peut être filmé n'importe quand, n'importe où, en train de faire n'importe quoi, a-t-elle réagi, exprimant ses craintes. L'hypervigilance, elle n'est pas dans les propos. Elle est dans le fait de savoir s'il y a des caméras ou des trucs, a-t-elle poursuivi. Après si on est en accord avec soi-même, il n'y a pas non plus, a-t-elle nuancé. L'humoriste explique ce qui la saoule. L'humoriste qui longtemps arborait une tenue rouge sur scène redoute d'être observé et filmé à son insu dans sa vie privée. Si est-il plus ça que je trouve chiant. Si est-il le fait que n'importe quoi peut vous rencontrer n'importe où dans la rue, j'ai vu Anne Roumanoff, elle n'est pas sympa. Je fais le selfie dans la rue et après le mec, il publie sur le réseau social. Ça m'est déjà arrivé dans un magasin. Le mec qui dit, j'ai vu Anne Roumanoff, elle est rentrée, elle n'a rien acheté. Mais ça va, j'ai dit bonjour, j'ai dit au revoir. Si est-il plus ça qui me saoule, a-t-elle conclu.